attendez, attendez, attendez. Il manque quelque chose là. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. J'ai mal entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je préfère, ouais. Entends nos cœurs, entends nos cris. Écrire des phrases, ça fait pas forcément peur. À l'inverse, slammer, ça se fait avec vigueur. Entends nos cœurs, entends nos cris. Écoute les battements de nos cœurs qui aspirent à un monde meilleur. Entends nos cœurs, entends nos cris. On n'est pas des strikers. On n'est pas des strikers, encore moins des trash talkers. Mais on est des speakers. Même en sûr, on repartira en vainqueur. Entends nos cœurs, entends nos cris. Qu'on finisse premier ou dernier, l'expérience sera la même. Comme nous l'aurait dit Grand Corps Malade ou Eminem. Entends nos cœurs, entends nos cris. Dans chaque cœur, dans chaque cri, la victoire sonnera pareil. Comme les gens qui nous filmeront avec leur appareil. Entends nos cœurs, entends nos cris. On fera alors une prestation pareille. Tu vas en prendre par les oreilles. Entends nos cœurs, entends nos cris. Sur scène, je me lâche, je suis ivre. Nos cris sont forts, nos cœurs sont vaillants. Dans chaque battement, ressens notre élan. Entends nos cœurs, entends nos cris. Nos rêves, nos espoirs, nos désirs. Dans chaque cri, ils aspirent à grandir. Entends nos cœurs, entends nos cris. Dans la lumière des projecteurs, nos rêves s'élèvent. Dans chaque cœur, dans chaque cri, une mélodie qui soulève. Entends nos cœurs, entends nos cris. La passion qui brûle, jamais ne faiblit. Dans nos cœurs, elle persiste, jamais ne fléchit. Entends nos cœurs, entends nos cris. Nous sommes les porte-parole d'une génération. Dans chaque mot, une révolution en action. Dans la poésie du slam, nos âmes se révèlent. Entends nos cœurs, entends nos cris. Je pense qu'on a tout donné, mieux que la première fois. Même s'il y a eu quelques petites erreurs, on n'a pas lâché et on a vraiment tout donné pour essayer de gagner, quoi. Bah moi aussi, je pense qu'on a fait une belle prestation, on a tout donné. C'était sûrement la meilleure que l'on ait faite. Forcément un peu déçu de nos notes, mais sinon très content de la prestation. Moi j'ai trouvé que c'était, pour moi c'était la meilleure qu'on avait jamais faite comme prestation. Et je suis un peu déçu par rapport au score qu'on a eu. Et aussi des heures de passage, on aurait préféré passer en dernier pour choquer tout le monde, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Comme positif, je retiens que le slam, ça m'a apporté... J'ai pu découvrir des facettes de moi, comme par exemple que j'étais pas timide. Enfin, que je pouvais m'exprimer devant une grande salle comme ça, parce que auparavant je devais passer devant une grande salle comme ça, mais j'ai pas eu le courage de passer et là je l'ai refait. Du coup ça a provoqué une sensation, après en plus avec l'adrénaline, c'était une sensation incroyable de passer sur scène devant tant de monde. Moi j'ai pu m'amuser, même si le stress il prenait le dessus, j'ai pu m'amuser, crier, rigoler sur scène devant plein de personnes et c'était juste incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé l'expérience du slam, ça nous a un peu tous rapprochés parce qu'on s'est tous aidés et supportés, on était tous l'un pour l'autre et j'ai beaucoup aimé passer devant tout le monde, c'est une sensation que j'ai beaucoup aimée.